L'Alliance des États du Sahel fait le point de sa participation à la première conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique. Les travaux tenus les 9 et 10 novembre dernier à Sotchi, dans le sud de la Russie, ont évoqué plusieurs domaines et, en dressant leur bilan, les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Burkina et du Niger ont évoqué la mise en œuvre des engagements au sein de l'AES. Le point avec notre envoyé spécial, Aboubakar Sagnon. La conférence de Sotchi, une opportunité pour les ministres des Affaires étrangères des pays de l'AES de consolider leur coopération avec la Russie, partenaire stratégique des trois pays dans la lutte contre les groupes armés terroristes. Dès la fin des travaux, les ministres des Affaires étrangères du Burkina, du Mali et du Niger se réunissent pour faire le point de leur participation à cette rencontre russo-africaine. Chaque pays a certes travaillé au renforcement des relations bilatérales avec la Russie, mais tous ont plaidé la cause de la Confédération des États du Sahel. La réunion entre Karamoko Jean-Marie Traoré, Abdoulaye Diop et Bakary Yaou Sangaré est aussi mise à profit pour échanger sur la vie de la Confédération. Les échanges entre les trois ministres portent notamment sur la coordination et le suivi du plan d'action de la Confédération des États du Sahel.